Et une de plus. Trop fort. Non, j'y crois. T'as vu un peu comment il l'a explosé? Désolé, Serizawa, j'ai encore gagné le pari. Je sais pas pourquoi il continue à défier Rinnegan. C'est vrai, quoi. Il est déjà le boss de Suzuran. Qu'est-ce qu'il lui faut de plus? Eh, hey, tu m'as donné que 10 sacs. C'est une idée fixe, il veut battre Rinnegan. Et tant qu'il l'aura pas démoli, il continuera. Tu comprends, c'est plus fort que lui. Je le connais. Il a beau se faire démonter à chaque fois, je peux te dire que c'est pas ça qui l'arrêtera. C'est bien. Qu'il continue à s'occuper de Rinnegan, ça nous arrange. On en profitera pour reprendre le pouvoir. On s'est fait battre par GPS, tu vas pas remettre ça sur le tapis, l'affaire est pliée. On aurait sûrement gagné si Bando ne s'était pas pointé. Hein, Serizawa? Tu es libre. Bonne chance. Tu veux que je meure pour me racheter? C'est ça, je n'ai plus le droit de vivre. Noboru Kawanishi. Bah ouais, qu'est-ce que tu crois? Je t'attends depuis 2 ans. Depuis que t'as tué notre chef, Machiobito, hein, tu te souviens? Je suis Matoba Dosen. On va régler nos comptes avec toi. C'est ça, hein? Dégage de là! Serizawa! Qu'est-ce que tu fous? Tu veux protéger Kawanishi ou quoi? Au cas où t'aurais oublié, c'est la trêve entre Osen et Suzuran. Je sais, ouais. Ça fait 2 ans qu'on attend avec impatience ce gars-là. Tu veux venger Makio, c'est ça? Ce connard est un assassin, alors disons qu'on a un compte à régler avec lui. De toute façon, il s'est fait virer de Suzuran. T'as pas à le protéger, il est plus des vôtres. T'oublies un détail. On est chez nous ici, on fait ce qu'on veut. Genji,
je vais te dire un truc. Au lieu de faire une fixette sur Rindaman, tu devrais essayer d'unifier Suzuran. Bah, je suis d'accord avec Chuta. On a vaincu Serizawa, mais il y a plein de choses à faire encore. Oh. Il y a de la baston dans l'air. Serizawa. Laisse tomber, ça te concerne pas, cette histoire. On veut juste récupérer Kawanishi, on n'a rien contre vous. Salut, Geronimo. Genji, d'où tu sors, toi, te mêle pas de ça, t'entends? Quoi? Qu'est-ce qui se passe, hein? C'est pas tes affaires. Pour qui tu te prends en boucle, là, ok? C'est quoi, ce bordel? Tu laisses ce gros naze te parler comme ça? On dirait que vous avez du mal à vous faire respecter, hein, Suzuran? Alors toi aussi t'es Suzuran, hein? Genji Takiya. Ouais, et c'est le boss de Suzuran. N'oublie jamais ça! Serizawa. Tu peux dire merci à ton chef, à cause de lui la trêve est rompue. Quoi? À partir de maintenant, Suzuran et le lycée de Sen sont à nouveau en guerre. C'était juste une petite prise de bec. Pas de quoi en faire un plat. Si, justement, on peut pas laisser passer ça, tu comprends? Parce que c'est lui qui s'en est pris à nous. C'est ton chef. On va régler ça tout de suite. Genji! Arrête! Je vais le saigner! Lâchez-moi! Kawanishi, on se reverra. On te laisse un sursis en attendant. Allez, on se casse. Hé, hey, bande de crânes d'œufs! Bien le bonjour à vos petites mamans! Ça faisait un bail. T'es sorti quand? Je suis désolé. Qui c'est ce type? Putain, t'as vu ce que t'as fait? Quoi? Alors on est en guerre contre Sen? Ouais. On va avoir besoin de gars. Parce qu'avec le nouveau boss de Suzuran, c'est pas gagné. Don't be-
Suzuran ne perdra pas. Pas cette fois, en tout cas. Que Wanishi t'es qu'un gros naze. N'a pas survécu à ses blessures. Et Kawanishi, lui, il a été envoyé en maison de correction. Et à la suite de ça, je peux te dire qu'entre les gars d'Osen et de Suzuran, c'était la haine pure et dure. Les bastons étaient de plus en plus violentes. Il risquait d'y avoir d'autres morts. Et c'est pour ça qu'ils ont fait la paix entre eux. Et ils ont signé une trêve. Tu dois bien te douter que ça n'a pas été facile, mais ils y sont quand même arrivés. Alors tout le monde doit s'efforcer de la respecter. T'as pas fait un truc qui craint pour la trêve, rassure-moi. Oh non, Genji, t'as pas... Oh, Ruka. Mon gars, il faut que tu apprennes un peu à te maîtriser. Alors, toujours aussi mal luné? Non, ça va. Qu'est-ce que tu t'es fait au-dessus de l'œil? Rien. Et Ken, tu l'as toujours pas revu? Ça fait 6 mois. Je me demande où il peut bien être. Genji! Envole-toi! Ken est mort? Oui, il devait tuer le chef du clan rival. Il n'a pas réussi à l'éliminer. C'était un raté. Alors maintenant, du vent. Si je le tue, tu pourras me prendre dans ton clan. Quoi? Je veux travailler pour toi. Arrête ton cirque, t'es qu'un gamin. Rentre chez toi. Quoi? Hé! 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 Une minute! Attends! Attends! Ça suffit! Attends! Ne pars pas! Attends! Tu fais chier, petit con! Au cimetière ou enterre Ken. Recueille-toi sur sa tombe et après on reparlera de tout ça. Alors comme ça, la trêve a été rompue par le nouveau chef de Suzuran. C'est quoi déjà son nom? Genji Takia. C'est donc lui qui nous a provoqués. Maintenant que Serizawa n'est plus le chef, ça doit être le chantier chez eux. On va attaquer Suzuran. On va les éclater, ça, ouais. Ryo, d'habitude, tu ne fais pas dans la demi-mesure. Cette fois, ce sera différent. Je veux que tu te contiennes, même si Suzuran est notre pire ennemi. Et Kawanishi, qu'est-ce qu'on en fait? Makio a été tué par ce gars, on va le venger. Yeah! Taiga Narumi, enfoiré, où tu es, hein? Je me suis fait éjecter de Suzuran, je m'appelle Bashio Gota!
Ils m'ont transféré ici et je vous préviens, à partir d'aujourd'hui, c'est moi votre chef. Tu sais que t'es drôle dans ton genre? C'est toi, Narumi, hein? Ah, tu vas voir! Tu vas Dégage, taré! Alors, Whisplant se dégonfler de taille à Narumi! Suzuran ne veut plus de moi, ils vont me le payer! Bashogota va devenir le boss de Zen! Quoi? C'est toi, hein? Allez, debout. Quoi? T'as un problème? Non. Écoute, mon gars. Ils sont vraiment mal barrés à Suzuran. Si je suis votre chef, vous allez voir. On est sûr de la victoire. Quoi? Mais t'es complètement à la masse, tu le sais ça? Je l'aime bien, ce gars. On le garde. Matoba? Quoi? Va chercher Tatsuya. Tatsuya? Tatsuya Bito. Le petit frère de notre ancien chef. Il vient d'arriver au lycée. L'année dernière, il était le big boss de tous les collèges du coin. Et voilà. Ah ouais. Hé, hey, Tokyo, regarde. Salut, Geronimo. Ah, tu es là. T'es en retard. Ouais, je sais. C'est Rizawa et tes hommes, Genji. Enfin, je veux dire, GPS devrait unir leurs forces. Pourquoi vous le faites pas? Ça y est, Tokyo remet ça. Ça rigole pas avec Osen. Si on n'arrive pas à unir nos forces, Suzuran va se faire laminer. Il faut être réaliste, Genji. Tu pourras jamais t'en sortir tout seul. On vous a battu, je me trompe? Dès que je me serai fait Rindaman, Suzuran sera unifié. Tu oublies que je t'ai jamais considéré comme notre chef. J'ai jamais eu l'intention de te demander quoi que ce soit, Serizawa. J'ai besoin de personne. GPS peut régler ça tout seul. Genji! Ne prends pas Osen à la légère. Ces types sont de vraies terreurs. Un conseil. Ménage-toi. T'as subi une lourde opération. Vaudrait mieux que tu fasses gaffe. Si tu prends un mauvais coup, tu peux y rester. Pour ça, tu vois, je suis d'accord avec lui. C'est bon, les gars, on a bien bossé. Ça, c'est pas de l'entraînement de tapette. Hein? Tatsuya, tu voulais me voir? On va se battre contre Suzuran. On peut compter sur toi? Ce sera l'occasion de venger la mort de ton frère. Je crois que vous ferez ça sans moi. Comment ça? Hé hey! Il faut que tu viennes pour ton frère, t'entends? Il a raison. Si ton frère est mort, c'est à cause de Suzuran. T'as pas envie de te venger, hein? Écoutez, laissez mon frère où il est. J'en ai assez de cette histoire. T'es en train de te foutre de notre gueule, là, hein? Je te remercie, Narumi. Merci de m'avoir donné un rang élevé, en souvenir de l'amitié qui te liait à mon frère.
Ryo. On va attaquer Suzuran. Non, il n'y a pas de cimetière dans le coin. Pourtant, sur le plan qu'on m'a donné, il y en a un. C'est bien cette rue-là, mais il n'y a pas de cimetière ici. Avant le chemin... C'est là-bas, à gauche. C'est chaud. Regarde ça un peu. Tu devais pas en avoir souvent en maison de correction, hein. Ouais. Régale-toi, mon gars. Dire que je me fais servir du calamar par un mort, c'est dingue. Quoi? Il vaut mieux ça que l'inverse, pas vrai? Pour un mort, je suis en pleine forme. Ouais, je m'occupe de l'entretien des moteurs de bateau. Ça m'arrive même de partir sur des chalutiers. Je suis devenu un homme de la mer. Hey, tu te souviens, Suzuran? Quand t'es arrivé en seconde, c'était mal barré entre nous. Tu croyais que j'étais un lycéen et tu m'as explosé la tête. Ouais. Je me souviens, ouais. Je trouvais que tu faisais plus vieux que ton âge. Dis donc, toi. Quand je repense au moment où je suis parti de Suzuran, j'ai des regrets. J'aurais pas dû arrêter l'école. J'avais que ça dans la vie. En tout cas, quand je suis arrivé à Suzuran, tu m'as drôlement aidé. Au fait, Ken, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu fous ici? Hein? Pourquoi tu joues aux morts planqué dans ce taudis? Je suppose que j'avais pas l'étoffe d'un yakuza. Ça doit être pour ça que je suis là. Tu sais, Ken, j'ai aucun regret. J'ai tué Bito, mais je regrette rien. On se serait sûrement fait battre sinon. Et qu'est-ce que tu crois, hein? Que ça te donnait le droit de planter ce type, c'est ça? On était en train de perdre, fallait faire quelque chose. C'était moi le chef. Je voulais pas être responsable de la défaite du lycée. Tu comprends ça? J'avais pas le choix! J'y vais. Moi, il y a un truc que je regrette. Tu te demandes quoi? Je regrette de ne pas avoir été là pour t'arracher le couteau des mains. C'est trop tard, Ken. Maintenant, Osen va pouvoir régler ses comptes. Venez nombreux demain! Allez les gars, rejoignez GPS! Camarades lycéens de Suzuran!
ne va venir, mon gars. Rejoignez GP. Hé, hey, toi! Quoi? Bon, tu fais quoi? Tu viens demain, oui ou non? Alors, enfoiré, on compte sur toi ou pas? Bonjour, Kyoko chérie. Oui, c'est Thomas qui sait. Rendez-vous? Et quand ça? Demain après les cours? Demain après les cours, venez sur le toit. Si je comprends bien, tu veux qu'on fasse partie de GPS. Tu crois que t'as juste à nous dire ça et on va t'obéir? Je fais tout pour. Et tu vois, je viens même faire une coupe à tes gars. Tiens, t'as qu'à le faire. Hé, hey. Arrête. Isaki. Écoute, tout le monde sait que Genji est costaud. Il a réussi à détrôner Serizawa. D'accord. Mais pas question de se soumettre à qui que ce soit. C'est bon, j'ai compris. La prochaine fois, je te promets que je serai moins cool. Si je dis ça, c'est surtout pour toi, tu sais. Hé ! Attends, ça te plaît tant que ça d'être sous ses ordres ? Bonsoir, monsieur Genji. Genji. Alors, t'as réussi à unifier Suzuran? Ouais. Les doigts dans le nez. Genji. Quoi? Attends une minute. Je te présente ta nouvelle maman. Aito Maru, enchantée. Je blaguais. Maeda. Patron. Qu'on la ramène au bar, elle va être en retard. Tout de suite, patron. Hé, hey, oui. Emmène-la. Suis-moi. Elle était super drôle, ta blague. Bon, alors, oh, on va au rendez-vous ou quoi? Quel rendez-vous? Allez, venez, on rejoint GPS. Sérieux? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il y a? On a décidé de rejoindre GPS. Quoi? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes dingue? Genji nous a battus, hein? Alors c'est normal qu'on soit dans le camp GPS. Et puis quoi encore, ça traître? Laisse-les y aller. Désolé, mec. Mais on est réaliste, tu vois. Tokyo, lève-toi. Debout, allez, allez. Tiens. Et n'oublie pas, la tête fracassée avec Supraglu, c'est réparé. Fais attention à toi. Préservatif love love. Ça va?
me suis retenu. Hein? Il n'y en a pas d'autres à part eux. Et voilà la touche finale. Ça a de la gueule, hein? On va leur foutre une branlée, hein, les gars? Salut, mec. Ouais. Ça va? On va les avoir, ces salauds. Oh, tiens, Genji, c'est pour toi. Un sweatshirt customisé Mikami Brothers. C'est gratos. Merci. Je croyais que tout le monde se ralliait derrière le vainqueur. Tu sais ce que c'est, les corbeaux sont des solitaires. C'est pas facile de les réunir. Genji! Qu'est-ce que tu fous de Shuta? T'es à la bourre! C'est Makise, je sais pas où il est. J'arrive pas à le trouver. Ah ouais? Où est-ce qu'il peut être, alors? C'est vrai, ça, où il est? T'as entendu? Où il est? Nous, on vient et lui, il est même pas là! Putain, il a peur de scène ou quoi? Enfoiré de gorille. Makise! Tu es là depuis longtemps? Non, non. Je viens juste d'arriver. Ça te dit de marcher un peu? Oui. Tu sais quoi? Il paraît que c'est plein de serpents par ici. Oh, j'ai horreur de ces bêtes-là. Là-bas, regarde! Oh. Un serpent! Saloperie de bestiole, tu vas voir! Tiens! Tiens! Regardez-le un peu, non mais c'est quoi ça? Il est violet, ce gorille. Non, Quoi? Je suis un peu fatigué. On va se reposer, d'accord? Mmh, d'accord. Kyoko, chérie! Makise, non! Un gorille à la mer! T'as l'air fin! T'es qu'un connard! Ah, qu'est-ce que tu dis? Hé! Hey, c'est quoi, ça? Ouais, regarde! C'est quoi, ce truc qui flotte? Où ça? Ah! Oh, merde, c'est pas vrai! Les préservatifs que je voulais utiliser après avoir fait peur à Kyoko avec un serpent en caoutchouc! Kyoko, chérie! T'en vas pas! Kyoko, attends! Reviens! Kyoko, chérie! Sayonara! You can't tell me what to do. You should get what you get.
pas des feux. On va vous le mettre! On va faire un tour, Kyoko! Oh! Oh! Un serpent, regarde! Ferme-la, je te dis! C'est bon, maintenant, arrête de te foutre de moi, toi aussi, j'en ai marre! Vous regardez quoi comme ça? Oh! Mais t'étais à Suzuran en seconde? Et maintenant, va Shoko Taito lycée de scène! À la jambe! Vachio. Le couteau, c'est un truc de Tarlouse. Narumi. Suzuran a du cran. Hein? Oui. Vous ne lâchez rien. Je t'éclaterai quand ton état de santé sera meilleur. Je me suis jamais senti aussi bien. Toi, t'es un homme, un vrai. T'as pas intérêt à ce que je te revoie avec un couteau à la main. On est bien d'accord? Oui, on est d'accord. Ce Genji Takiya, c'est une terreur, pas vrai? Quoi? Il a battu Serizawa. J'ai hâte de le rencontrer.
qui s'est dérouillé. Les autres sont dans le même état. Maintenant, c'est clair. Osen nous a déclaré la guerre. J'en reviens pas qu'ils aient eu Makise. Ça aurait très bien pu être toi. Et là, adieu, Suzuran. Si ça avait été moi, je m'en serais sorti. Ce que j'essaye de te dire, c'est que maintenant, tu es responsable de Suzuran. Parce que le boss, c'est toi. T'as qu'à prendre ma place. Je te la donne si tu veux. Tu fais chier, Genji. J'ai tout misé sur toi, Genji. Alors ne me déçois pas. Si Serizawa n'est pas avec nous, Osen nous la minera. Bon, et comment on fait? T'as une idée? Je m'en charge, d'accord? Quand j'aurai terminé, je te ferai signe. En attendant, ne fais rien. Comment va Shoji? Il en a pris pour 3 mois d'hôpital. Ces enfoirés sont allés trop loin. Paraît que le psychopathe qui l'a mis dans cet état-là s'appelle Ryo. Qu'est-ce que tu veux? C'est toi que je viens voir. Serizawa. Si je te bats, tu rejoins GPS. Tu fais ça pour Genji? J'ai des tas de raisons de le faire. Depuis que je suis à Suzuran, j'ai jamais réussi à atteindre le sommet. À chaque fois que j'ai essayé d'y arriver, tu étais en travers de mon chemin. Tu m'as toujours empêché de réussir. On va enfin pouvoir se battre. J'espère que tu le regretteras pas. Je suis allé sur la tombe de Ken. Ça t'a fait changer d'avis? Donne-moi une arme. C'est pas un boulot pour toi. Je ne peux même pas être un yakuza.
t'embarques sur une mauvaise voie. Tu sais ce que c'est la vie de Yakuza? T'en as aucune idée. Regarde ce qui est arrivé à Ken. Limite la casse. Tâche de devenir honnête. Hé, hey, gamin. N'écoute pas ce que t'a dit le patron. Le clan Ryusekai empiète sur notre territoire. Ils veulent nous bouffer. La concurrence est rude. Ouais, et puis tu sais, côté santé, le boss, c'est pas reluisant. Il va bientôt clemser. Faudrait lui trouver un successeur. Si tu butes le chef du clan Ryusekai, t'auras une place de premier choix chez nous. Tu vas encore être sous. Qu'est-ce qu'il y a? T'as des ennuis? Genji! Yo, remplace-moi une seconde. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Et quoi? Qu'est-ce que je fais là? La balade nocturne, ça fait partie du boulot d'un yakuza. Eh oui. Dis-moi, pour un Kane qui se veut le chef de Suzuran, tu fais pitié. Non mais regarde ça. Tu t'es vu, Genji? T'es à moitié torché. À deux doigts de pleurer devant une nana. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Montre-moi ce que tu vaux. Quoi? Montre-moi un peu comment tu te bats. Frappe, vas-y! Et donne-moi un coup de poing. Ben quoi? Allez, frappe! Ben vas-y! Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, t'as peur? Hein, c'est ça, t'as peur? Alors, allez, vas-y, trouillard. T'es dingue. C'est pas mal pour quelqu'un qui est sous. Mais voilà, ça suffit pas. Tu peux pas te battre uniquement en comptant sur la rage. Et toi, tu n'as que la rage. T'iras pas loin avec ça. Allez, viens, frappe-moi encore. Fais chier, vieux. Ça manque d'amour, mon garçon. Mets-y plus d'amour.
arriver à être en haut de la hiérarchie. Il faut des hommes en dessous qui te portent. Seulement toi, tu penses qu'à ta gueule. Alors personne ne veut te porter. Patron, ça va ? Moi, je te dis que ça va. Qu'est-ce que tu me veux ? Je croyais que j'étais ta petite amie. Ma petite amie ? Alors viens, je vais te baiser. J'ai le dos en compote. Je rentre. Garde-le. Merci. Bonsoir. Quoi de neuf ? Bonsoir, patron. Ça fait longtemps, dites donc. Ah, c'est vrai. Ça va, les affaires ? Bof, ça pourrait être mieux. Les temps sont durs. Bon, allez, plus tard. Au revoir. Bonne soirée. Faut que j'aille pisser un coup. Va à la voiture, je te rejoins tout de suite. Bien, patron.
Désolé pour le dérangement. C'est rien. Cela. Entre, Genji. Il lui faudrait une chambre individuelle. On l'a installée là en attendant. Le service est plein. Excusez-moi, mais... je voudrais rester seul avec mon père. Bien sûr. Docteur. T'as intérêt à t'accrocher. J'en ai pas fini avec toi, t'entends? Kawanishi, tu l'as loupé, t'es encore en vie. Si Takiya s'en sort, t'es foutu. C'est moi qui te le dis. Faut que tu te bouges les fesses, sinon t'es mal. Bon alors, voilà ce que tu vas faire. Tu vas te pointer à l'hôpital et tu vas finir le boulot. T'as compris? Tu fais ça et nous on s'occupe du reste. J'ai réglé le problème avec le patron. C'est éclabousse, t'en as sur toi? Hier soir, vers 20h40, Hideo Takiya, chef du clan mafieux Ryusekai, a été victime d'une tentative d'assassinat. Blessé de 2 balles à l'abdomen, il a été transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche. Son état de santé est jugé critique. On ignore encore le mobile de l'agression et l'identité du tireur. Cependant, la police privilégie l'hypothèse d'un règlement de compte entre clans rivaux. Nous allons maintenant... Je reviens, je t'emprunte la camionnette. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu as déjà remarqué? Il y a toujours l'odeur de ton frère dans cet endroit. L'odeur de sa sueur. Elle est là, tout autour, je la sens. J'aime bien cette odeur, ça sent l'homme. Je suis pas pédé. Tatsuya, pourquoi tu venges pas ton frère? Je n'ai aucune raison de le faire. Quoi? Il vit encore dans mon cœur. Je comprends. On avait tous les deux le même rêve. Battre définitivement Suzuran. Aujourd'hui, il n'est plus là. Alors je veux partager ce rêve avec toi. Désolé, mais je préfère être seul. Quand je serai le boss de Sen, je battrai Suzuran. J'attendrai que Sen devienne encore plus fort, je serai patient. Et quand nous serons devenus une armée de terreur, alors là, je surpasserai mon frère.
Je le savais, Tatsuya. N'attends pas. On peut les écraser dès maintenant. Osen est déjà très fort. Écoute, Tamao Serizawa n'est pas le premier venu. J'ai vu le type qu'il a battu, un certain Genji Takiya. Et je peux te dire que c'est un client. Ouais, mais on va les éclater. On va supplanter Suzuran. Et une fois qu'Osen sera au sommet, je t'en ferai cadeau, t'entends? C'est bon. C'est pas moi ton ennemi. Efface tout, Genji. Repars à zéro. Vous avez jeté Vachio, vous allez morfler. Genji. Ça va? Qu'est-ce que je fais là? Serizawa t'a ramené. J'ai cru que t'étais mort. Je crois qu'il aurait mieux valu. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ce bruit? C'est pas vrai, le gymnase est en train de cramer! Oh! Oh putain! Oh. Genji! C'était par terre, bien en évidence. Qu'est-ce que t'as? Genji? T'en as rien à foutre, en fait.
pas si grave que ça. C'était déjà une ruine. Chuta, t'as pas une clope? Hé hey. Je te comprends pas. Je vais régler ça. T'es pas en état pour ça. Fais pas n'importe quoi. C'est quoi ce merdier, j'en ai marre. Faites-tout chier. Genji! Suzuran. J'étais sûr de te trouver là. Pourquoi il a fallu que tu te ramènes à Suzuran? Regarde ce qui s'est passé depuis que t'as débarqué dans le lycée. T'as réussi à foutre le boxon parmi nous, pile au moment où on commençait à être unis. Tu croyais pouvoir rassembler le lycée à toi tout seul? Tu t'es surestimé, mon vieux. Genji! On y va! Être un corbeau, tu sais ce que ça veut dire? Je vais te montrer.
Attends, faut pas t'énerver comme ça. De toute façon, il aurait été démoli tôt ou tard. Et c'était une raison pour faire cramer leur gymnase, hein? T'es vraiment un abruti de première. Comme vous avez l'air un peu long à la détente, j'ai pris les devants. Là, c'est la guerre, c'est clair maintenant. Bah quoi? C'est bien ce que tu voulais, non? Hey. On a des visiteurs. Narumi, chef d'Ocel. J'ai l'impression qu'on se connaît déjà. Peut-être. C'est dommage, tu comprends? De se retrouver dans ces circonstances. On aurait pu être amis. Bon, écoute. C'est toi le coup du gymnase hier soir? Ça se pourrait. Je suppose que ça veut dire oui. Et alors? Tu veux savoir? Je vais t'écraser. Monsieur est modeste. Et ça aura lieu quand? À 16h. Demain. Quel endroit? Chez vous, qu'est-ce que tu crois? C'est un plaisir de venir vous mettre la misère. Je suis impatient de voir ça. Et ben pour toi. Vous aider contre Sen. Non mais attendez, je rêve, c'est quoi ça, hein? Les mecs, vous allez devenir de vrais héros! Et puis ça vous fera faire un peu de sport. On n'a pas envie d'être sous les ordres de GPS. Hé, hey, vous êtes des petits bleus, alors obéissez, faites pas chier. Dis donc toi, je rêve ou avant t'étais chez Serizawa? Mais je t'emmerde moi, t'entends le hérisson? Izaki? Qui t'a fait ça? Les gars d'Osen? Non, c'est un chat. Je me suis fait griffer. Hein? 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 Quoi? Bon, ouais. Au fait, ça y est, on va démonter Osen. Ouais, je suis au courant. Là, je te jure que ça va saigner. Il est bien remonté, Genji. Un, deux. Ici Genji Takiya. J'espère que vous m'entendez. Je suis pas trop doué pour les discours. Je vais essayer de faire de mon mieux. J'ai toujours... J'ai toujours voulu être plus fort que mon père. Et pour y arriver... Il fallait que je voie ce que j'avais vraiment dans le ventre. C'est pour ça que je suis venu à Suzuran. Hey Tsuta! T'entends ça? Qu'est-ce qui se passe? Tais-toi. Écoute en silence. Et maintenant? Voilà où j'en suis. Et mon père, lui, est à l'hôpital avec 2 balles dans le ventre. Entre la vie et la mort. Ouais, je vois.
toujours eu la haine contre lui. Je l'ai détesté, c'est vrai. Mais il m'a appris une chose. Quoi qu'il arrive, il ne faut jamais reculer. Jusqu'à maintenant, je vous ai jamais rien demandé. Mais voilà. Demain, je... Je sais pas encore comment je vais faire. Mais je vais détruire Osen. J'ai besoin de vous. Je vous demande de m'aider. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je ne veux forcer personne. Je vous demande juste de m'aider. C'est tout. Vous avez entendu, les gars ? Montrez-lui qu'on est là ! À demain. Je compte sur vous. T'as entendu? Pas de faux plan. Je suis arrivé à temps. Dépêchez ! Dès que j'ai entendu la nouvelle, je me suis dit que ça pouvait être que toi. Lâche ce pistolet. Je te laisserai pas faire deux fois la même erreur. Ta gueule, Ken ! Écoute-moi. Si je le descends, je crèverai avec les honneurs ! Casse-toi maintenant. Dégage! Tu veux rire ou quoi? Tu comprends rien! Je te laisserai pas faire cette connerie! Ah! Je te laisserai pas! T'as aucun respect pour la vie ou quoi? Oh! Je t'en prie, Kawanishi, écoute-moi! On a raté des tas de choses dans nos vies tous les deux, c'est vrai. On sera jamais des caïds. D'accord, mais on a le droit de vivre quand même, non? Tu m'entends? La vie, ça se résume pas à être un caïd ou un loser. Je t'en prie, Kawanishi, réfléchis, il y a des tas d'autres choses à vivre. Tu peux t'en sortir. Alors arrête, sinon tu vas faire une grosse connerie. Bien sûr, soyons francs. Si tu veux changer de vie, ça se fera sûrement dans la douleur. Écoute, faudra que tu t'accroches. Il y aura des grincements dedans, de la peine, des pleurs et des nions à l'âme. Tu morfleras, t'en prendras plein la gueule. Mais tu sauras ce que c'est que la vie. Kawanishi, tu peux y arriver, je le sais. Je t'aiderai si tu n'y arrives pas tout seul. Si tu le descends, tu vas gâcher toute ta vie. Tu as l'avenir devant toi, tu es jeune.
Donnez-moi ce flingue. Attendez, je vous en prie. Non, non, laissez-le. Alors c'était toi. Il n'a rien fait. C'est pas lui, je vous en prie, laissez-le. Ta gueule. Je vous en prie, c'est pas lui. Écoutez-moi, j'ai des tas de choses à lui apprendre. C'est un gamin, je vous en supplie, ne lui faites rien. Toi. Tu es du clan Sochou. Je m'en doutais. Ce bâtard travaille pour Yasaki. Non, non, vous vous trompez. Il travaille pas pour Yasaki. Laissez-le, je vous en supplie, ne lui faites pas peur. Il faut qu'on sorte d'ici, emmenez-les. Viens, allez-toi. Debout, connard. Arrête de bouger. Viens, lâchez-le, laissez-le tranquille. Lâchez-le, je vous dis. Attendez. C'est quoi, cirque? Katagiri. Fais un peu moins de bruit, on est dans un hôpital. Écoute. C'est la deuxième fois que tu me sauves la vie. J'ai une dette envers toi. On les laisse partir tous les deux. Mais chef, il faut punir ces salopards! Genji. Ah. 36, 37, 38, 39, 40. On est que ça? Ouais, on dirait. Hé. C'est quoi ce Beans? Tu te fous de notre gueule? Y a même pas la moitié de tes hommes. Ils sont où les autres? Ils viendront pas. Je me suis fait éclater par Osen. Ah ouais? Alors on est qu'une quarantaine? C'est une blague ou quoi? Genji n'a plus autant de fidèles que ça, à ce que je vois. On n'est pas assez nombreux, on se tire. Moi, je vais vous dire un truc. Si ça avait été Serizawa, il y aurait plus de monde. La ferme, connard! Isaki! Tu voulais qu'on vienne là. On l'a fait, on est tous venus. Mais désolé. Pas question d'aller à l'abattoir. Hey, attendez! Qu'est-ce que vous faites? Revenez! Hey! J'ai dit revenez, vous entendez? Bande de traîtres! Les gars d'Osen sont plus d'une centaine. Nous, à peu près 40. On est trois fois moins qu'eux. Et alors, c'est génial! On en prend trois chacun. Tu vas voir, on va les mettre en pièces, ces connards. Genji! C'est bon, on y va! Genji. Allez-vous-en. Quoi? Rentrez chez vous. Quoi? Attends, c'est quoi ça? Bande d'idiots. Ça sert d'y aller, c'est perdu d'avance. C'est quoi ce délire, Genji? C'est pas sérieux, là, hein? On peut pas abandonner. Chuta, tu reprends ta classe. GPS, c'est fini.
On s'arrête là. Attends! Tu te dégonfles, Genji! Vous voulez rien comprendre ou quoi? On est cuit, c'est pas la peine d'y aller. J'ai perdu Chuta. Désolé. Quoi? Genji! Si tu tiens à te faire tuer, vas-y. GPS, c'est terminé. Ça m'étonnerait. C'est pas le genre de Genji de s'avouer vaincu sans rien faire. Mais alors, tu crois que... nous épargner, il va les affronter tout seul. Genji est allé se battre seul. Génial. Quand il se sera bien fait éclater, on ira démolir Osen. Il se sacrifie en tant que chef de Suzerain. Ouais, enfin ça, c'est ce qu'il croit. Parce que le vrai chef, c'est Serizawa. Salut les gaz! Alors, ça gaz? Vous rappliquez ici maintenant que c'est cuit du côté de GPS. Quoi? Raconte pas de conneries, nous on n'est pas des girouettes. Alors qu'est-ce que vous foutez là? C'est bon mec, détends-toi un peu. Oh! Tokyo, c'est le moment de te servir de la supra-glue! Attends, c'est une blague ou quoi? J'ai l'air de blaguer? Si t'es seul, sors ton drapeau blanc! C'est ça, cousse toujours. Combattre à un contre 100. Contre des nasses comme vous, ça me fait rire. Chargez!
affronter en duel. Tu n'y connais rien. Ce mec est un vrai dur, je lui en donne pour son argent. Regarde. On t'a pas invité, je crois. Ah ouais? On n'a pas besoin de toi, qu'est-ce que tu fous là? Hé, hey, regarde, t'as vu un peu ça? Ça lui va comme un gant. Oh! Juste un petit conseil, Zaki. Évite de te trouver sur mon chemin. Occupe-toi de tes fesses, connard. Vous croyez qu'on va vous laisser massacrer notre chef sans rien faire? Tu vas avoir une petite leçon gratos. Regarde et prends-en de la graine. Kenji Takiya! Je te donne rendez-vous sur le toit du lycée. Si t'arrives jusque-là. Asibus! Laisse-moi le travail signé Mikami Voleur!
Dégage ! Dégage ! Ce sera un connard ! On va tous vous éclater la gueule ! Venez, faut escorter Gadji jusqu'au toit ! Qu'est-ce qui est écrit ? Les chaussures de ville sont interdites dans le lycée. La prochaine fois, t'es en tongs ! Les gars, laissez-moi avec mon invité. Allez, retournez jouer avec les autres. Hein? Sortez, je vous dis, maniez-vous. Alors, tu vas mieux? Connard. Au lieu de t'inquiéter de moi, tu devrais te soucier de ta santé. T'es plutôt adroit pour un dégénéré. J'ai une revanche à prendre. Je vais essayer de les retenir. Allez, vas-y, vente ! Kenji, viens !
Genji et fais-le monter sur le toit. Occupe-toi de tes fesses, ok? Il est pas question de tirer. Dernier étage. C'est ici que l'aventure s'arrête, les gars. Va te faire voir, connard. On règle ça vite fait. Au-dessus, c'est la terrasse. Virez toutes les chaises. Hé ! Faut dégager la barricade ! Venez ! Éclatez-la ! Avec toi.
Tu en as mis du temps. Je te connais pas. T'es qui, toi? Je m'appelle Ryo Urushibara. Le mec qui a explosé Soji, c'est toi? Possible. Avant, j'étais fan de toi. Et aujourd'hui, c'est un honneur d'être celui qui va battre Serizawa. Genji, va sur le toit. Je m'occupe de lui. T'aurais pas dû lui dire ça. Maintenant, il va te dévorer tout cru. Content de te voir là. Makio Bito et moi, on rêvait d'une chose. Arriver un jour à écraser ceux de Suzuran. Une fois que je t'aurai battu, notre rêve se réalisera. Grande tige.
Je vais te montrer ce que c'est un vrai Kador. Lâche-moi, connard. Va chier ! Imbécile, mais tu comprends rien! Idiot, regarde comment on fait. Hey. Allez, il faut en finir. Le chef a besoin de notre aide, on dirait. N'importe quoi. Prête-moi ton épaule. Je te remercie. Tu as tout tenté pour réaliser le rêve de mon frère. T'inquiète.
La prochaine fois, c'est moi qui me battrai pour réaliser le tien. Bon, allez, on rentre. Aujourd'hui, vous avez gagné, mais c'est loin d'être terminé, Suzuran. Ça y est, c'est notre dernier jour à Suzuran. J'arrive pas à y croire. On a vécu tellement de choses, j'ai rien vu passer. Maintenant, place à la génération suivante. Serizawa, tu fais quoi l'année prochaine? C'est un secret. Tu peux nous le dire, qu'est-ce que ça change? C'est un secret, je vous dis, vous faites chier. Genji! Je parie sur toi. Alors perds pas. C'est ton dernier jour à Suzuran? Je vais fêter mon départ en beauté. Compte pas sur moi pour te faire de cadeaux. Ça tombe bien. J'ai pas besoin que tu m'en fasses. Yeah!
vois, c'est ça qui me plaît à Suzuran. On est des corbeaux, et alors? Pensez un peu à tous ces oiseaux qu'on a mis en cage et qui ne savent plus voler. J'ai de la peine pour eux. Moi, je préfère être un corbeau. Alichuleta, yamini tolawale, dokoe mo yukezu ni tachizukusu no ka, kono mama ja tobenai mama da, taiyo ni sae mo warawale chimau. Demain, 5h, devant notre bon vieux lycée. Sous-titrage Société Radio-Canada.